Hey, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va bien pour vous parce que pour moi, ça va super bien. Et oui, donc un petit retour doucement, lentement mais sûrement. Je ferai peut-être 2-3 vidéos par semaine cette fois-ci parce que bon, j'arriverai pas peut-être à faire une vidéo par jour. Mais bref, du GTA V, du The Witcher 3 et du Life is Strange qui vont revenir. Et là, donc du coup, j'avais envie de revenir sur GTA V parce que sur The Witcher 3, il y a une grosse mise à jour qui se fait encore. Et oui, donc récemment là. Et donc du coup, je me suis dit, autant aller sur GTA V et je verrai pour vous Witcher plus tard. Bref, là c'est un temps de merde qu'il y a, mais on va aller voir Trevor. On va voir ce qu'il est en train de faire, ce petit con. Mon avis, il fait pas quelque chose de très catholique. Oula, déjà la rue. Ça c'est... Oh, ouais, d'accord, ok. If you can't trust a hooker to hold you through the night, who can you trust, eh? Bizarrement. Ah bah d'accord, il est déjà bourré, ok. Ah bah d'accord, ok, j'ai à peine bougé. Tu m'étonnes qu'il se tue. Oh, la tête pile sur le rebord de la poubelle. Bref. Ça commence très très bien cette vidéo, je suis très fier de moi. Je tiens à remercier toute la famille pour cette gratitude. Bref, je vais mettre le chrono au lieu de dire des conneries. Ah, parce que j'ai failli oublier de mettre le chrono. Voilà. Hop. Le chrono est en route sur le côté. Voilà. Alors. Qu'est-ce que tu attends pour trouver ce parasite? Tel parasite. Alors oui, maintenant je joue au clavier souris. Voilà, pendant tout ce temps, je me suis amusé à le faire. Il est encore bourré? Putain. Pendant tout ce temps, je me suis mis à... Comment dire? À jouer en clavier souris en ligne. Trevor, qu'est-ce que tu attends pour trouver ce parasite? Va le chercher, dernière position connue. Mais ça, c'est où ça? C'est pas le mont Chiliad, ça? Alors attendez. Ah mais j'ai pas la carte avec les couleurs et tout, donc ouais. Bof bof hein. Donc on va aller sur le T du coup. On va essayer de voler, je sais pas moi, une voiture. Ah bah tiens, cette voiture là elle est parfaite. Ah oui, alors en ce qui concerne le mode en ligne, hein, super moi je trouve. Il manque un peu d'animation, mais bon il y a pas mal de missions, etc. quand même, hein, donc si vous vous ennuyez. Moi ce que je fais à chaque fois, je fais des missions. Dès que je suis en ligne et que je suis tout seul, je fais des petites missions de Martin et tout ça. Tiens, juste parce que c'est des bikers. Eh, meurs! Voilà. Alors, ça dépend, il y a combien d'argent? 500$, ouais, je peux lui rendre, franchement, rien à foutre des 500$. Ouais, toi, par contre, je vais prendre sa moto. Prendre sa moto. Est-ce que tu peux mettre un casque, s'il te plaît? Ouais, parfait. Ça, c'est un bon Trevor. There you go. I persuaded him to change his mind. Incredible, dude. You should keep some of that for yourself. Ah, don't thank me. I'd have tried to kill them all anyway. Oui, c'est parce que c'est des bikers. Ok, donc on va utiliser le petit GPS. Est-ce que tu peux me mettre pour le Trevor, s'il te plaît? Bon, bah c'est par là-bas, ok. Ah, bah non, on va aller sur le L alors, du coup. Parce que si c'est juste sa planque. Ah, bah beaucoup de Mary Weaver, ok, c'est par là-bas, ok. Donc, je rappelle que dans le dernier épisode d'il y a 100 milliards d'années, on a un peu sauvé le cul de Tracy, enfin sauvé le cul, façon de dire, hein, parce que bon, aussi littéralement que. Hein? Bref, que métaphoriquement, je voulais dire. Et on a. Oui, d'accord. Bon, peut-être qu'il va falloir que je baisse les performances du jeu parce que je suis en ultra. Peut-être qu'en filmant ça passe pas trop parce que là je vois qu'il y a quelques petites saccades de temps en temps alors que je suis à 50-60 FPS. Enfin bref.
Donc je disais qu'en fait on avait trouvé le gars qui essayait d'exploiter Tracy, la fille de Michael, hein, je le rappelle, la petite blonde assez coquine, qui a envie de se mettre dans le porno. Bref, on lui a montré un peu ce que c'était le respect humain. Enfin voilà. On lui a montré quelques exemples. Ce que c'était d'utiliser une personne contre son gré. Bon, même si Tracy était complètement d'accord. Trevor is a good guy. He cried family. Got kid and he's small. That's it, right? Yes, Trevor. But the thing is, I ain't been with that many women. I don't find it easy. And Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating? There's Mr. Raspberry Jam. Whoa. Eh? No. Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death. Il meurt en héros, quoi. Bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Oh. Okay. Mais il fait très bien l'affaire, tu m'étonnes. Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me. Can you just put your Johnson away, sir? Jesus. Tu m'étonnes que ça le perturbe. Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Lloyd. I am that kind of person. Tu sais très bien quel genre de personne je suis. You, Wade, and that little tormentor down there, put these on. Pauvre gars. Going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Oh. Run. We got an inside view of the Port of LF. I'm gonna send you. Need you on point to help plan things. I got it. I really miss. Il a dit tiens, hein, pas très bon, mais bon. Bah punaise. Il est là toujours le même à l'arrêt. Et qui se bourre contre la bagnole lui-même. Je bouge même pas mes mots. Hey, bouge! Excusez-moi. What you got for me? Like I said, I don't rightly know what we got. You're going to have to be more exact in your questioning, sir. Oh. We're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Bugger's kicking the mud. Oh, pourquoi ça lag de temps en temps là, je comprends pas. C'est pas censé laguer. Ça, c'est parce que je filme. Il va falloir que je baisse les performances après. Ah, 20 IPS. Ouh, c'est pas bon. Ouh, à mon avis, c'est le brouillard qui fait ça. Avec en plus le fait que Shadowplay est en train de filmer. Parce que oui, j'ai changé de logiciel de. Comment ça s'appelle? De. J'ai changé de logiciel de capture en plus, j'ai pris Shadowplay à la place. Enfin bref. Hop. Bon bah putain, 1,6 km avec un camion comme. Enfin, un camion. Ah! Un 4x4! Oui, un 4x4! TT! C'est efficace. Ah merde, on va passer en dessous. Faut que je l'aille par là. Hey, comment je l'ai coupé le gars? Oh putain de merde! Elle est pas. Oui. Bah, il est où ce con? Eh, tu montes? Oh, les gants et tout! Ouais. J'ai coupé deux fois quand même le pauvre. Meriwether Security Consultant. Private army to the New World Order. Ah oui, Meriwether, c'est un peu comme des mercenaires en fait. Wars in 20 countries around the globe and recently cleared to
operate on U.S. soil? That, Bah, So there's a private militia in the port. What are they guarding? This is a freighter? I guess now that you mention it, it ain't quite right. Faut que j'arrête de me prendre les voitures, c'est plus possible. Oh, c'est sûr qu'on sent un peu complètement de ton collègue. Ok, on y est presque arrivé. En bon état du tour, c'est parfait ça. Allez, allez. Go park and get the dispatch. Here comes the suit. I gotta check in. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. Ferme la porte, s'il te plaît. Merci. We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Get in there. Pourquoi il a l'air encore bourré? Ou alors il est un peu mal en point, je sais pas. You gonna take me to see this freighter? Yeah, it's over here. You ever got helicopters coming in and out of here? You know those big sky crane things that can pick up a whole container? Now this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that's stretched to 50 feet. Now what's the Coast Guard response? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just thought they had the water surface real covered. Okay. That freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedore them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. Over there, 2 o'clock. Looks like Forrest got on the wrong side of some Merryweather guys. Ah oui, on va devoir piloter ce fameux... You! We need 2 guys on the handler. Couple of containers and Bay B gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Now! Putain, et toi, je vais t'en mettre une, hein. Parle-moi encore comme ça, tu vas voir. Get up. Bah d'accord, il y a une échelle, le gars il saute, hein. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Okay, okay. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happier when he's neck deep in shit. So ouais, ça passe, ça passe. Parfait. Ok, nickel. Alors, c'est lesquels qu'on prend? C'est ceux-là. Allez. Ça va se décaler tout seul, je crois. Voilà. Now we gotta bring it over to Bay F. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. Oh, you should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not careful. Oups. le porte-conteneur est endommagé. C'est pas moi. Non, c'est pas vrai. Oh putain, de si loin quoi. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Oh, ça passe. Not always, sir. Just around tout va bien, tout va bien.
Ça arrive de temps en temps, c'est un petit problème technique. Voilà. En fait, je crois que c'est plus facile de passer par là-bas, en fait. C'est par là-bas qu'on devrait passer, normalement. Moi, je pense complètement à l'arrache. Bref. Oh, punaise. Bah, prends. Voilà. Ok, we got it. We got it. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. T'es pas bougé le gars quand même. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. Le mal bien faire ce genre de boulot quand même. C'est peut-être bien tranquille quand même, à juste conduire. En même si vous êtes crevant au bout de 8 heures, mais bon. Now I'll get the other one for you. Me, anyway. Voilà. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah, I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Oh, shit. Bah voilà. Fallait le dire plus tôt, là. On s'en fout de ces conteneurs de merde. Oh. Trevor. Quoi? On va pas faire le con, on va en mettre en vue normale. Parce que sinon je sens mal. Ok. Voilà. Hop. Okay, it's up to the top of the crane for me. Hey, on va donc à la grue. Bouge-toi, bouge-toi. Ah, oh, mais merde, mais oh, il était sur la route aussi. Il va bien, priorité à gauche. Bon. Ah ouais, ça. Il veut faire son malin, hein. Espèce de black. Ah putain, je déconne, hein. Vous inquiétez pas. Enfin, je crois. Bref. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Allez, bouge-toi du cul là. Ok, ok, ça avance. Parfait, tout ça. Hey, there ain't time to admire the view. I've been waiting on a crane driver nearly an hour. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Get up on this walkway, climb down the ladder, and go into the cabin. Ok. Fallait que je descende de l'échelle. Allez, bah allez, descends. Ah, voilà. Bon. Bah, on va voir comment ça se pilote, hein. Hi, I'm here. What do I do? The red containers below need to go on the trucks at the end. Grab them, move them, put them down. Ok. That's it. You're okay. In position. Looks good to me. Grab onto it. You got it. Now pick it up so it'll clear the other containers and move it down to the end. We need to go to the other end. Bay 5. D'accord. We ain't there yet. Hey. Pardon. Je voulais m'amuser en faisant un vent arrière. Dessus le camion, j'imagine, alors. That's the truck. Ease her onto it. Bring the container down over the truck's frame. The truck is clear. Voilà. Signal man and crane driver working together. Now let's do the same thing again. Bon, ouais, c'est facile, hein. Up to the other end. C'est assez facile, ça va.
Get in position over the second container in Bay 1. Ah, y a juste à regarder l'ombre et c'est bon quoi. Ah non, pas tout à fait en fait. Ok. Je peux pas changer la musique, dommage. Oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, tout se passe bien. Voilà. Oh, j'ai la voix qui se barre en couille. Ah bon, carrément. How about this view, huh? I'm gonna take some photos for the kids. Ouais, faut faire les kids, oui. Exact. T'as les gars, ils se connaissent pas quoi et. Alors. Putain, pourquoi il a l'air bourré à chaque fois, je comprends pas. Y'a un garde à ce que je vois là. Au bord. D'un garde à bord. Prenez une vue d'ensemble de l'arrière du bateau. Voilà. Envoyez les photos à Ron. Alors Ron, t'es là. Photo envoyée. Ah mais il est à moitié cassé son téléphone, c'est pas mal ça. Je veux dire, ça va bien avec son truc quoi. Ok. Donc on va descendre sécuritairement. Hein. On va pas descendre comme des tarés. Voilà. Bon, on va faire un petit saut de temps en temps comme ça. Voilà. Parfois ça passe. Voilà. Ouais. Ok. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie. It's over on the other dock. Ok. So they've been guarding one of them dry docks. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Normal rules don't apply to us, Floyd. We're going in. On y va. I don't know. The rules applied to me my whole life. I like rules. And look at you. You're a failure. You're in a loveless relationship. Avance. What do you mean? Loveless? I love Deborah. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. You know I'm insecure. You've got a dead-end job. What? Dead-end? No. Floyd, it's dead-end. As longshoremen's one of the best paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. It ain't so bad. C'est pas si dur en plus, c'est vrai. Only usually with less of the criminality. You're wasting your life. Floyd, it's lucky we turned up when we did. I'm saving youth from yourself. We ain't heard from Wade. What are you, his mother? He's fine. The spillage shouldn't take this long to contain. There must be a lot of it. Good. Keep him busy while we get to work. Yep, he is. Boucher les trous, hein. C'est ça? Bon, bref. Hey, you can't come through here. It's restricted access. No entiendo. No understando. Huh? Manifesto. Manifesto say deliver here. Hey, stop. Where the fuck do you think you're going? Get back out. I got confused. The guy don't speak English. Must have misread the manifesto. He said, no, here.
Pourquoi il le frappe? Ok. Le pauvre. Il se fait tabasser à mort pour rien. On va prendre ça, tiens. Hey. These photos, you've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Yeah, I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Comme un fusil super laser. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Ce sont des putains de mercenaires, les gars, quoi. Ça va être trop chaud de les déloger de leur mission, quoi. Enfin bref. Allez. En fait, il n'y a que Trevor qui est pas très riche. Hein. 75 000 dollars, le pauvre. Il ne fait pas grand-chose. Hein. Allez. Bon, excellent. Putain, je prends un camion, il y a des camions partout. Quoi. Oh, bougez! D'où tu me fais des appels de phare? Respecte-moi un peu! Respect me! Blubber! Nègre! T'as 2 km encore? Ah non, je vais changer de voiture, c'est bon. Mais c'est trop lent le camion! Man! Mais j'ai peur! Oh, la droite que j'ai foutu, le pauvre! Voilà, ça va beaucoup plus vite déjà. Ah ben voilà. Là, c'est mieux. Là, on vole quelque chose d'utile. Ouais, ça c'est bon ça. Pinis. Ok. Et je tiens à signaler aussi que je compte faire, parce que moi j'ai vu pas mal de vidéos gameplay de Fallout 4 et je compte faire une petite aventure sur Fallout 4. M'y mettre à fond dedans, là je vais le pré-acheter, comme ça au moins dès sa sortie je l'aurai. Et vous me direz ce que vous en penserez, si ça vous intéresse ou pas du Fallout 4. En tout cas moi, je ferai dès sa sortie. Voilà. En espérant que j'ai... Normalement, je devrais avoir fini GTA 5 avant. Et peut-être The Witcher 3 aussi avant. Enfin, je ne sais pas. Vu que ça sort en octobre, je crois, par là. Enfin, je sais qu'en tout cas, ça sort avant la fin de l'année. Est-ce que j'ai compris, en tout cas. On peut enlever le... Non, il veut pas. Ok. Je voulais enlever le... mettre en décapotable pour voir, mais non, ça marche pas. Ok, allez. Ouh là là, il roule du cul le petit Trevor, dis-toi. Hop, droite, gauche, droite, gauche, droite. What in the name of all things holy? J'ai pété. I tried to stop it, but it just kept coming and coming. What? There, Wade. Look, Benny, you're just not cut out for honest work, all right? Give him. Ah. You needed? Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. Ah, ben voilà. Bah voilà. Woman ain't even fine.
Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. That's low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now! And... there. Perfect. Ah bah voilà, en plus écrit en français, c'est parfait. Alright, so, based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. Oui, on think le sait got ça. Two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? Chicago? Bowie? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Choisissez une approche pour ce braquage, cargo ou au large. Un sous-marin. Ah, j'hésite. Sous-marin ou cargo? Pareil, on va mettre sous-marin. Ouais. Ça va être bon, je pense. Ça va être très bon. Je crois que c'est Floyd can help. We'll get Michael involved and he can put us in touch with some local talent. Tell Floyd to find us a submarine and ask Ron where we can steal a heavy lift chopper. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Non, pas de bain, non. Le gars quoi. Eh bah punaise, Trevor. Voilà. Oh putain, c'est vraiment la merde dans la part. Ah le bordel qu'ils ont foutu quoi. Bon, la punaise. Eh ben ok. Ah d'accord, il est dans la salle de bain. Faudra aller voir l'état de la salle de bain pour bien rigoler. Ah punaise, il y a eu des petits lags, je sais pas ce qui s'est passé. Hey, Mikey, hey listen, loving it here in LS, really settling in, getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Yeah. Now, there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Oh, yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me, you'll regret it if you don't. It's gonna be just like old times, pal. D'accord.
Eh ben voilà, donc on va se laisser ici les amis, ça fait déjà ouais, une trentaine de minutes qu'on est... Bah, d'accord, il s'effondre de temps en temps le Trevor, je crois qu'il est toujours un peu sous drogue en fait. Bref, je vous laisse passer une bonne journée, bonne soirée, une bonne baise. J'espère que ça vous aura plu, je crois que je l'aurais mis en 1080p normalement la vidéo, enfin je suis pas sûr. Bref, je vous laisse passer enfin voilà, tout ce que vous voulez, portez-vous bien surtout, le plus important. Et puis, au plaisir !